Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre fabuleux présentateur, Décibel, n'est malheureusement pas en mesure d'assurer ce journal. Heureusement, nous avons trouvé un stagiaire dévoué. Je le remplacerai donc pour cette dernière édition. Nous commencerons en douceur en parlant massage, puis nous discuterons autour d'un FF1 Coffee. Nous aurons ensuite l'immense honneur de découvrir les interviews du jury et des équipes. Après une courte page de pub, nous découvrirons la météo d'hier. Enfin, nous partirons en immersion dans un reportage exclusif pour découvrir la vie de pilote. Pour les équipes et le staff, les 50 heures ont été éprouvantes. Heureusement, nous avons pu compter sur l'association Ameki de kinésithérapeutes. Nos journalistes sont allés à leur rencontre. Alors on se trouve aujourd'hui avec Ameki, qui est venu au FF1J pour faire des massages aux équipes. Alors Ameki, dites-nous, mais qui c'est ? Alors Ameki, c'est une association d'étudiants kinés de Montbéliard qui a été créée il y a 2 ans lors de l'ouverture de l'école. D'accord, très bien. Et dites-nous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du FF1J ? Alors les FF1J, ça fait 2 ans qu'on vient, 2 ans qu'on masse. Et on aime beaucoup parce que ça nous change un peu de patientèle. Là, on ne masse plus des sportifs, on masse des gens qui ont passé 4 jours à fond les ballons. Très bien. Moi, je tiens juste à préciser que je pense qu'ils massent quand même des sportifs. Parce que ma musculature, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et donc, Ameki, en dehors du FF1J, quel événement un peu est-ce que vous faites ? Alors, ça fait 2 ans qu'on existe, donc du coup, on est en train de se développer. Principalement, on fait des événements pour... on masse à des événements sportifs, donc type trail, course, voilà, le Lyon, le trail de Belfort, un peu tout. Mais aussi, on fait des trucs avec les étudiants, style la nuit du bad, la nuit du volet, des choses comme ça. Et après, voilà, notre but après, c'est de se diversifier et voilà, voir d'autres populations. Ouais, c'est pour ça que le FF1J, pour nous, c'est top. On rencontre plein d'étudiants et ça nous change, en fait. Ouais. C'est ça. Les gens sont sympas, ils sourient, c'est top. Ah, merci beaucoup. Maintenant, parlez-moi un petit peu du vibromassage. Plutôt électrique ou manuel ? Eh bien, merci beaucoup à Meki. C'était fort, fort bien. J'ai pris du plaisir. Pour cette fin d'édition, nous sommes partis à la rencontre de notre staff FF1J pour prendre de leurs nouvelles autour d'un café. FF1 Coffee. Alors, on se retrouve avec la Respo équipe et une des Respo FF1J. Comment vous vous sentez pour ce dernier jour du festival ? Bah alors, je me sens bien, je suis fière de mon staff, je suis bien, un peu en sueur, on court partout, mais ça va, c'est cool. Bah moi je suis juste épuisée mais surexcitée, alors ça se passe super bien, j'ai hâte de voir les courts-métrages et de voir ce que les équipes ont fait. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe ? Ils sont fatigants, c'est-à-dire que on arrive, on voudrait se poser un petit peu, ils sont déjà en train de travailler. C'est-à-dire, là, ils sont en train de monter des vidéos, enfin, on est à la communication, on n'est pas là pour travailler. Alors, dis-moi un peu comment ça se passe en cuisine pendant ce FF1J. Fort bien, une hyper bonne ambiance, évidemment. Les bénévoles sont très contents de travailler avec nous, ça fait plaisir à voir. Une équipe soudée, franchement. Ça me fait plaisir de donner du bonheur autant de gens à travers la nourriture qu'on cuisine avec autant d'efforts. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ? Alors oui, en fait, avec Robin, on est allé faire des courses là et on devait acheter pour 6 kilos de maïs et 6 kilos d'emmental, on n'avait que ça. Donc déjà la caissière, elle nous regardait avec de gros yeux. Et puis bah moi je l'ai regardé et je lui ai sorti « Ah c'est bien, pour une fois on va enfin manger varié ». Et du coup après on l'a invité à la cérémonie de clôture et je sais pas comment elle l'a pris. Mais elle nous a regardé vraiment bizarre. Je sais pas ce que... Est-ce que vous avez une vision différente du FF1J depuis que le festival a commencé ? Ben on va dire que j'ai jamais fait le FF1J avant, donc pour moi c'était tout nouveau. Mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. Tout le monde m'a surpris, mais agréablement surpris. En fait, je m'attendais pas du tout à autant d'implications.
autant un mouvement uniforme, parce que bah on était une équipe soudée, mais pas spécialement soudée plus que ça avant le FFNJ, mais on est devenu une équipe dont je suis vraiment très très fière et on est soudés. Oui, je suis tellement fatiguée que j'ai oublié la question en fait. En tant qu'ancien respo du FFNJ, qu'est-ce que tu fais cette année du coup? Cette année, j'ai décidé de faire pilote. Je suis pilote de l'équipe CNC qui vient de Centrale Nantes. Et donc, je suis là pour les aider à connaître les lieux, à rencontrer des étudiants, à trouver du matériel. Enfin, en fait, je suis l'interface entre eux qui ne connaissent pas ici, mais qui connaissent le cinéma, et moi qui ne connais pas le cinéma, mais qui connais ici. Voilà. Et ça se passe bien avec eux? T'aimes bien ton équipe? Ah ouais, j'adore les chouchouter. Je leur ai fait des crêpes ce matin, je leur avais amené des petits croissants le premier jour. J'adore, vraiment c'est cool. Maintenant, après, le gros du travail, c'est quand même eux qui doivent le faire pour scénariser, monter et tourner leur film. FF1 Coffee. Après ce moment détente, retour à la réalité, pour suivre le travail intense et sans relâche de nos jurys. Michael, David, bonjour. Alors pour commencer cette interview, j'aimerais vous poser une question qui nous taraude tous. On ne vous voit pas beaucoup la journée, donc on imagine que vous avez un travail colossal à faire. Est-ce que c'est fatigant d'être jury au FFNJ? C'est beaucoup moins fatigant d'être jury au FFNJ que les candidats qui sont en train de faire les films en ce moment. Mais voilà, on essaie de les suivre au maximum dans leur travail d'écriture. On a essayé de les accompagner. On a essayé de visiter un maximum de gens en tournage et de les accompagner, de les aider, de leur donner des petits tuyaux professionnels pour voilà, gagner du temps et donner une petite couleur, un petit cachet à leur tournage. C'est beaucoup moins fatigant parce qu'on est extrêmement aidé par tous les bénévoles et l'organisation exceptionnelle. Mais oui, voilà, les 50 heures, on les a aussi. David, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Bah, comme dit Michael, hein, c'est vraiment une organisation très exceptionnelle. Hein, enfin, je suis très impressionné. Après, oui, c'est vraiment une joie de participer à cet événement parce que l'avantage, contrairement à d'autres festivals, c'est qu'on rencontre les équipes pendant l'écriture, pendant les tournages. On a ce plaisir de transmettre des conseils que nous, on nous a donnés à une époque. Et, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment un grand moment. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question sur, finalement, le paradigme baudelairien. Vous n'êtes pas réalisateur, et pourtant, vous participez à la création de films, à l'élaboration de pièces d'art, hein, et vos noms ne sont pas crédités sur l'affiche des films. Alors, ce paradigme de l'auteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait le moment de le faire tomber? Éloire, il y a une question pour toi! Oui, Éloi, donc le paradigme baudelairien, en deux mots pour vous. Deux mots? Bon, bonjour Éloi, alors on parlait du paradigme baudelairien en un petit peu plus que deux mots. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet? Alors, cette épistémologie appliquée ici au modèle théorique du 7e art m'indiffère au plus haut point. Et si ça continue comme ça, je me barre. Très bien, merci beaucoup. Alors, après des sujets un petit peu plus sérieux, on va revenir au festival lui-même. La difficulté de faire un film en 50 heures, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà été soumis, contraint? Et quels seraient les un ou deux conseils que vous donneriez aux équipes pour réussir cet exercice au mieux? La coke. La coke, oui, ça marche. Quelque chose d'autre, peut-être? La drogue, beaucoup de drogue. Bon, bah, la drogue, a priori, est indispensable. Point très très important, c'est surtout de ne pas oublier de démarrer la caméra. C'est vraiment, il y a plusieurs années, on a ces quatre problèmes, c'est le premier conseil qu'on donne aux équipes. D'abord la caméra, puis peut-être un petit peu de médication, on va dire, pour tenir les 50 heures. Il ne faut surtout pas oublier d'enlever le cache de l'objectif. C'est un problème aussi. C'est un problème qui arrive à plus d'une personne et cinéaste accompli. Mais mon meilleur d'entre nous. Alors merci. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la difficulté d'un tel festival. C'est finalement créer une œuvre de cinéma en 50 heures. Quels seraient pour vous les conseils les plus importants à donner aux équipes pour qu'ils réussissent au mieux cet exercice? Bah déjà, commencer par allumer la caméra. Effectivement, ça peut arriver d'oublier et puis on perd des heures de rush pour une erreur aussi bête. Éloi? Le capuchon aussi. Enlever le capuchon devant l'appareil.
Je donne toujours ce conseil. Enfin, c'est très important. Effectivement, l'absence de LED ne nous indique pas si le cache est enlevé ou non. Michael, peut-être un autre conseil pour les équipes. Dans le cadre strict de votre festival, en l'absence d'alcool, de la médication plus. Élise, t'en as ramené ? C'est prêt ? Alors, vous êtes 3 jurys professionnels sur un ensemble de 6. Est-ce que vous devez forcer une certaine objectivité, un regard critique presque mécanique sur les œuvres que vous allez voir ce soir ? Est-ce que c'est difficile d'avoir ce rôle, d'apporter de l'objectivité dans le jugement des films ? Non, je pense qu'on va se mettre dans la place d'un spectateur lambda pour être vraiment au plus neutre possible. Je pense qu'au contraire, si on travaille dans le milieu, c'est pas le fait qu'on connaisse toutes les techniques et les trucages, et les tours de magie, on va dire. Au contraire, si on va rentrer dans l'histoire, c'est que on aura été emporté encore plus facilement que. Alors finalement, votre regard de cinéaste va pouvoir peut-être vous émerveiller de choses que l'œil, néophyte ne peut pas voir. Oui, pardon. Oui aussi. Mais le regard de professionnel que nous on va avoir sur le tournage, c'est ça plus sur la partie de préparation au tournage. Je trouve qu'on est plus dans une phase d'accompagnement. Je trouve ça intéressant en fait, nous en tant que techniciens, d'être dans cette phase d'accompagnement en fait des équipes qui sont plus ou moins professionnelles, à des niveaux plus ou moins élevés en fait, et de pouvoir leur donner, je dis, des clés, des codes. On va leur donner c'est une porte avec plein de cadenas. On va leur donner quelques clés pour ouvrir des cadenas. À eux de se débrouiller en fait pour faire le film. Nous, on va leur donner des points en fait pour optimiser la lumière, le montage, le son. Chose qu'on a accompagné quand on a déambulé en fait dans la nuit, en fin de journée dans la nuit où les équipes, c'était à chaque fois pour leur donner justement ces petits codes, des choses de notre technicité. Après, il faut de toute façon, comme on l'a annoncé déjà dès le départ, mettez-vous dans la peau du spectateur qui va voir votre film. Et nous, moi je suis très bon public, j'ai le regard d'un enfant de 10 ans, et on va voir les films et on va les absorber et puis on les digérera entre nous en délibération. C'est ça qui est important en fait. D'accord, donc ça a été quelque chose de très important pour vous, peut-être qui vous a motivé à venir au FF1J, c'est l'aspect suivi des équipes. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que, par exemple, David, vous êtes là aujourd'hui ? C'est le concept de dire en 50 heures il fait un court-métrage. C'est intéressant de voir comment chaque équipe travaille avec les moyens qu'ils ont, puisque il y a un niveau de moyens à chacun. Et on peut avoir de sacrées surprises. Donc c'est quand même assez intéressant de voir avoir ce point de vue. Vous vous rappelez, d'accord ? La piscine a été un élément important qui nous a décidé aussi à venir. On pourrait être à Cannes en ce moment et on a décidé de venir à Montbéliard. C'est quand même quelque chose que les gens doivent savoir en tant que nous professionnels. Nous sommes en ce moment à Montbéliard. Donc l'environnement de travail est quand même indispensable. Indispensable. Disons que la médication proposée a aidé aussi. Bien sûr, 50 heures sans dormir, on reste des êtres humains, on ne peut pas faire ça non plus n'importe comment. Alors l'édition de cette année du FF1J s'est faite sur le thème huis clos, thème qui peut paraître un petit peu difficile. Comment est-ce que vous auriez abordé un tel thème en tant qu'équipe, si vous deviez faire ce film en 50 heures, comment est-ce que vous auriez abordé le sujet ? On l'aurait abordé sur le comportement. Oui, ce comportement dans un huis clos, en fait, dans une pièce fermée. Voilà. Un côté un petit peu peut-être thriller, quelque chose d'angoissant. Oui, quelque chose d'assez dramatique. Mais comme en fait, on connaissait pas un peu, on voulait voir comment l'humain réagit aussi dans une situation de huis clos. Donc du coup, on a fait d'une pierre deux coups, quoi. On était un peu déçus de pas être président cette année, donc on a trouvé un moyen de voir un petit peu comment l'humain réagit. Dans une situation huis clos. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, bah, on espère qu'on arrivera à retrouver Michael, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. En fait, j'ai une question. La 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 la. La boîte à questions. Manic Media, enfin Media UTT. Postprod. TVNZ. Le studio. CNT, CNC. Studio SNV. Je suis un représentant des quatre astrophes, donc je suis un astrophe. Quel serait ton nom dans l'industrie du X ? Jacqueline. Non, mais on l'avait fait en projet l'an dernier. Ah ouais ? Ton deuxième prénom. Claude. Le nom de ton premier animal de compagnie. Minette. Claude Minette. Claude Minette. Oh, c'est pas mal en plus. Ça passe super bien. Claude Minette. Jusqu'où iriez-vous pour gagner le chrono d'or ? Je dirais là-bas. Au moins jusqu'à Belfort. Sans hésiter. Oh, j'allais faire la blague, mais c'est à Sochaux. C'est à Sochaux, la remise. Tu préfères ? Ah oui ! Non, mais d'accord. Mais non, mais. Alors. Bah, je te laisse lire. Non, alors tu dis la première, je dis la deuxième. Ok. Tu préfères de très mauvais préliminaires avec ta grand-mère ou... De très bons préliminaires avec ta grand-mère. Bah autant... Qui t'a passé, voilà, qui t'a passé un mauvais moment, autant qu'il y a un peu de... Tu vois, un peu de... Oh, en vrai, tu peux être surpris, tu vois. Ouais. Bah moi je dirais de très bons, tant qu'à faire, autant que c'est un bon moment. Voilà, bon ou mauvais... Enfin, si les bons sont vraiment bons, ils sont bons. Hein. C'est pas des bons, tu sais, qui sont merde, j'ai fait des bons, c'est mauvais. Non, mais dans la mesure où t'es obligé d'avoir des préliminaires, autant qu'ils soient bons, quoi. J'aime bien alterner. Parce que quand on s'habitue au bonheur, il en devient fade. Donc de temps en temps, je me loupe. C'est-à-dire, je vise à côté. Et comme ça, après, la fois suivante, on prend du plaisir ensemble. Faites votre plus belle grimace. Oh, à ce stade-là, il n'y en a plus besoin. Oui. Attention, hein. Regardez bien. Non ? En fait, il se colle. Il n'y a rien qui change. Il a juste collé ses paupières supérieures avec ses sourcils. Ça change rien. La 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 la. La boîte à questions. On se quitte maintenant pour une courte page de pub. Mais pas de panique. Nous sommes de retour pour le point météo. Météo. It's me, météo. Bonsoir à toutes et à tous, et dès maintenant, la météo d'hier. Sur tout le territoire de l'agglomération de Belfort-Montbéliard, nous aurons un ensoleillement global. Sur Belfort, les médianes de saison seront de 24 degrés, et à Montbéliard, le pic atteindra 23 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Roland, et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Merci, bonne soirée. Météo. It's me, météo. Merci Francis. Avant de nous quitter, découvrons un dernier reportage exclusif sur la vie de pilote. Alors voilà, moi je suis pilote FFRJ. On m'a filé une équipe, elle m'a demandé de leur trouver un endroit un peu rude, un peu désert, un peu compliqué pour le besoin d'un tournage, je sais pas trop quoi. Du coup, ben, on a fait 5 heures de marche. Je les ai emmenés là, je les ai mis au milieu de la forêt, et puis ils m'ont dit qu'ils avaient pas le sens d'orientation. Je leur ai dit que c'était un peu des fiottes, du coup je les ai laissés sur place, je suis parti. Bon alors du coup, je les ai laissés en plein cagnard, 38 degrés. Et c'est quoi ? Une petite bouteille d'eau, là ça fait 12 heures qu'ils sont partis. Là, je commence à en avoir marre, alors je fabrique une chaise parce que j'aimerais bien m'asseoir quelque part. C'est un peu compliqué. Je vous ai dit que mon père il était menuisier, parce que mon père dans sa jeunesse, il nous a appris plein de trucs. Par exemple, je me souviens d'une fois où il nous a laissé au milieu de la forêt. Pour m'en sortir, j'ai dû manger des DVC. Des DVC Pro, des DVC Cam, c'était du NTSC, je comprenais pas, mais voilà. A few moments later. Ça, c'est une bonne chaise pliante, ça. Regardez. Très pratique, c'est facile à emmener. En plus, tu peux taper des bêta-cam, là, comme ça. C'est super rapide à mettre en place. Voilà. 30 minutes, tout pété. 12 seconds later. Et là, je leur laisse encore 1h40 avant qu'ils viennent. Mais en attendant, moi, je vais partir à la chasse à la bêta-cam. Parce que c'est un petit machin vachement drôle. Ce truc-là, ça commence à se faire rare. Et puis, avec les véganes qui traînent dans le street. Et puis, les bobos, là, qui aiment bien les trucs vintage. Vraiment, il n'y en a plus beaucoup et c'est quand même assez difficile à attraper. Pour ça, ils nous font un bâton. Mais pas que. Parce qu'une bêta cam, quand ça vous attaque, eh ben, il faut vite prendre sa main puis la mettre devant l'objectif, comme ça elle est aveuglée. Ensuite, il faut appuyer sur rec. Mais attention, hein, si tu fais un rec play, ça va pas du tout. Parce qu'un rec play, elle t'attaque direct, hein, ça va plus. Ah, attendez. Oh, j'en entends un là. Il y en a une pas loin, vous entendez ? Ça fait un petit bruit de Minitel un peu. Rec, comme ça.
Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Je pense que ça va m'occuper pendant les deux bonnes heures. Dans les autres, c'était vraiment des tocards. Ah oui, non, revenons-en à nos amis, là. Je me dis que ça fait 12 heures. Allez, je leur laisse encore 2 heures. Ensuite, je vais chercher une autre équipe. Et puis, je les envoie à leur recherche. Puis s'ils reviennent pas, je pense que vraiment, vraiment, ça devait être des tocards, hein, parce que... Day 2. Du coup, je suis revenu sans eux. Et je me suis dit que là, je vais aller chercher une autre équipe, parce que ça fait quand même 2 heures de marge. Et je vais chercher une autre équipe, je vais les ramener là-bas, je vais les abandonner au même endroit, ils doivent ramener la première équipe. Et s'ils le font pas, c'est vraiment des tocards. Voilà. J'avoue. C'est tout. Voilà, tu vois, mon père, il me laissait tout seul en forêt, je mangeais des bêta-cam, puis je m'en sortais, tu vois, pendant une semaine, deux semaines, je buvais ma propre urine, ça fonctionnait. Voilà, s'ils s'en sortent pas, c'est des tocards. Si, même pire, on les retrouve pas, c'est qu'ils méritaient pas de vivre. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, moi j'y peux rien. Mais comment tu veux gagner un concours avec ça, hein? Merci pour ce reportage édifiant. J'ai maintenant l'honneur de clôturer ce FF1JT. À l'année prochaine.